Hi there and welcome back to the Floss Marketing School. In this video we are going to see how you can launch your first print right. So the printer I'm using not do, so big file which is somewhere. So if it happens to you, what to send our help please. So if I use in order to get it right, but in 15 minutes I will.
Thank you.
Hello? Oui, Kerry, comment vas-tu? Ouais, là je suis en train d'imprimer en direct du coup mon premier objet imprimé entièrement imprimé avec succès. Ouais, je suis allé à l'échographie du coup aujourd'hui. Et puis ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé du tout. Non, ils ont dit en gros, probablement les cailloux sont tellement petits qu'en fait on peut pas les voir. Donc en gros, ils disent, bah, voilà, si vous voulez quelque chose de plus sérieux, en gros, il faut aller faire un scanner dans une clinique. Donc en gros, ça veut dire que la prochaine fois que vous avez une crise, en gros, il faut faire ça en espérant qu'ils acceptent de vous le faire. Voilà, sinon on n'a rien d'autre à dire, donc au revoir. Ouais, ce qui est marrant, c'est que quand je suis allé le voir, j'étais en crise. Donc j'avais les douleurs et tout, quoi. Donc après, l'autre hypothèse, c'est oh bah ça peut être autre chose, mais on sait pas ce que c'est. Donc voilà. C'est t'as mal au dos, t'as mal aux testicules et puis t'as mal dans le bas encore. Non, l'échographie, non, il voit rien. Non, 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 ça s'arrête là. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, rien. Bon, ils disent, bah, écoutez, vous avez les médicaments quand vous avez mal. Bah, du coup, vous prenez les médicaments quand vous avez mal. Comme ça, vous avez plus mal. C'est assez simple, hein? Ouais, c'est ce que me dit Cécile. Cécile me dit, mais là, du coup, tu vas voir ton médecin et tu demandes, du coup, d'analyser autre chose. Ou alors Etc. Bah, honnêtement, moi je pensais à ça, je me disais, mais ça existe ou pas? C'est des méthodes comme ça où tu te dis, mais en fait, je ne me base pas sur l'argent public, j'en ai rien à foutre, je veux juste qu'on me soigne. Donc, j'ai de l'argent, je suis prêt à payer plein pot et vous me faites un check-up total pour savoir en gros. ouais Ça ouais existe? faut Ouais. aller dans les cliniques Ouais. ouvertes. On a une clinique extrêmement populaire en Chine, on faisait ça avec les psy en Chine et à Singapour. Ils font des bilans complets de santé. Bon, ils prennent ton sang, ils font un scan des poumons, ils te font une radio, ils te font une analyse des urines, une analyse des selles, pour regarder ce qu'il y a par un truc avec les organes, de regarder. Après, tu peux pas trouver toutes les maladies, quoi. C'est vrai qu'en France, j'ai toujours eu du mal. En fait, à chaque fois qu'on revenait, on en faisait un. On avait fait un une fois, mais c'était vraiment basique. Je sais pas, faut que tu regardes. En fait, attends, ah c'est pas ça. En fait, téléphone à des cliniques privées, s'ils ne proposent pas des bilans de santé complets. Ouais, effectivement, tu peux être, je sais pas, 1000 ou 2000, mais au moins, tu as un peu l'esprit quand tu dis, regarde-moi, pas mal de choses. Ça, c'est pas remboursé de toute façon. Hein. Non, c'est pas remboursé. Non, je crois que j'avais réussi à le faire rembourser dans ta boîte. Il y a 15 ans, quoi, quand j'étais revenu, on devait demander un million de santé, mais c'était beaucoup moins que ce qu'on faisait en Asie. Et ça avait été pris en charge par la sécurité. On avait fait la demande. Et après, et pas peur du prix, c'est mieux, vaut mieux être. Voilà, si on fait pourquoi, quel problème tu peux avoir maintenant que je te donne.
Ouais, bah non, mais ce qu'il n'y a rien, donc de toute façon, vu qu'il n'y a rien, c'est un fantasme, tu comprends? Non, je regarde mon imprimante 3D, là je suis sur la fin, je suis trop content. Ça fait à peu près 50 minutes que ça imprime et j'ai finalement fini mon premier objet jamais réussi avec une imprimante que j'ai montée moi-même avec un logiciel libre pour faire tourner du coup la tête d'impression. Et voilà quoi, c'est juste génial quoi. J'ai réussi enfin à tout faire moi-même avec une pauvre imprimante à 60 euros. J'ai tout fait moi-même. Bah franchement, c'est un nouveau monde, hein. Je vais pouvoir enfin imprimer un batlingue. Et je vais pouvoir tirer sur des gens quoi. Ah, mais c'est pour ça que je voulais une imprimante 3D, c'est qu'avec au moins on peut construire des armes quoi. Bah ouais, c'est pour ensuite faire des tutos pour montrer à mes étudiants comment tirer sur des gens avec des. Des vues sûres. Ah bah ouais, ensuite il faudrait que je les mette sur YouTube, etc. Mais là c'est pas encore prévu là. Pour le moment je continue encore d'avancer sur le projet de l'école là. Mais justement l'impression 3D ça en faisait partie. Mais putain c'est génial, mais achète donc ça un Néo. Hein. Achète donc ça une imprimante en kit là, monter une D-Tech là ça coûte rien. Alors, c'est Oh bah sans. Néo, il aurait plein d'idées, hein. Néo, il a fait un rond Ouais, mais avec quoi? avec moi des cartons, il a fait son gré, il fait du coller, etc. avec un petit peu d'alcool, c'est bien. Ouais, mais il faut mieux que ça. Il faut mieux que ça, il faut lui donner du vrai matos s'il est doué. Hein.